belle journée, mes amis. On est enfin ici. Je sais que les gens avaient très hâte de nous voir faire cette annonce aujourd'hui. Et nous voici. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous pour le lancement de la phase 1 du réseau express métropolitain. Once completed, the REM will add 26 stations and 67 kilometers of tracks to Montreal's current metro networks, significantly improving public transit services for residents of the Greater Montreal area. Once phases 2 and 3 are operational, the REM network will also link communities to the West Island and the North Shore. To support this project, we're investing $1.28 billion through the Canada Infrastructure Bank, with an additional $300 million for the construction of the REM station at the Montreal Trudeau International Airport. Les pays confiants investissent dans leur avenir, dans leur gens. C'est exactement ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Et je suis très content de pouvoir le faire avec vous tous aujourd'hui. Merci, mes chers amis. Bonjour tout le monde. Écoutez, je veux d'abord saluer le premier ministre du Canada, Justin. Je veux saluer l'ex-premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Bravo d'avoir lancé ce projet. Je veux saluer Geneviève Guilbeault, notre vice-première ministre et ministre des Transports. Je veux saluer Pablo, le nouveau ministre des Transports. Le timing est bon, mais on a beaucoup d'autres projets. Geneviève en a pour... préparez-vous un 2-3 heures de rencontre. Donc, 3 stations sur la rive sud, Brossard, Ducartier, puis Panama, un quartier qui existe depuis longtemps, ça que la mairesse m'expliquait tantôt. Puis 2 à Montréal, l'île des Sœurs et la gare centrale. C'est important de le dire, là, de Brossard jusqu'à la gare centrale, ça va prendre 18 minutes. À l'heure de pointe, en auto, c'est 40-50 minutes. Donc, on sauve du temps. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le service va être offert 20 heures par jour, 7 jours sur 7, puis aux heures de pointe, ça va passer aux 3 minutes 45. 3 minutes 45. Je veux, en terminant, féliciter Philippe Couillard puis Michael Sebia pour avoir fait ce choix, pour avoir eu cette vision. Je pense que ça va changer, comme je disais tantôt, la façon dont le transport collectif au Québec. Et près de 60 ans plus tard, le REM illustre parfaitement le sens de l'innovation et l'ardeur qu'on voulait propulser avec la création de la CDPQ. Son rôle comme moteur de développement économique du Québec, ça fait partie de notre mission, c'est notre fierté et on y travaille tous les jours. Bon matin tout le monde, messieurs les premiers ministres, monsieur Aymon, et vous êtes très nombreux, nombreuses, distingués invités, soyez salués. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire qu'à titre de mairesse de Montréal, je suis très enthousiaste qu'on offre une option supplémentaire de transport collectif pour se rendre au centre-ville. On l'a dit, 18 minutes, c'est incroyable et vraiment, ça va venir bonifier l'offre qui est déjà intéressante, mais qu'on sait à quel point il y a une grande demande justement pour venir dans le centre-ville de Montréal, soit pour y travailler, pour y étudier ou encore pour venir se divertir et profiter de tout ce que la métropole du Québec, métropole culturelle du Québec, a à offrir. Grande différence quand la volonté politique, les moyens financiers sont au rendez-vous, les projets se réalisent. J'aimerais également dire qu'un projet comme celui-ci, ça demande une grande mobilisation et à titre de président de la communauté métropolitaine de Montréal, j'en profite pour saluer tous mes homologues, maires, mairesses, conseillers, conseillères de ville qui sont présents ici.
Oui. Ben, écoutez, mais...
Station, Île des Sœurs. Les portes s'ouvriront sur le côté droit. Thank you.